Au Vietnam, il faut remonter vers le nord pour trouver les sumacs, ces arbres dont la résine fournit depuis des millénaires une laque incomparable dans l'art vietnamien. Quand on l'extrait, la résine est blanche et d'aspect laiteux. Au contact de l'air, elle passera au brun, on dit aile de blatte. Après décantation, elle se sépare en plusieurs couches, allant du transparent au noir brillant et profond. Cette peinture végétale, plus brillante que tous les vernis existants, résiste aux températures élevées, à l'humidité et aux insectes. Toutes les surfaces en bois préalablement passées au four pour éliminer les parasites sont recouvertes d'une toile de lin, de soie ou d'un tulle. La laque, additionnée de sciure, renforce la résistance du bois, évite fissures et déformations et crée une surface rugueuse pour que s'accrochent les couches à venir. Même les endroits peu visibles comme l'intérieur des meubles sont entoilés puis recouverts de laque. Objets et meubles reçoivent 5 à 7 couches de laque suivies d'un ponçage à chaque fois. Après ces opérations, le support est enfin prêt à recevoir le motif qui va l'agrémenter. Le Vietnam, longé par la mer de Chine, est aussi riche en canaux. Les coquillages en abondance fournissent la nacre utilisée depuis les temps les plus anciens, traditionnellement en marqueterie et en bijouterie. Les sujets préalablement dessinés sont ensuite décalqués sur de fines lamelles de nacre. La grande majorité des œuvres est réalisée avec un grand nombre de minuscules pièces. Chaque morceau du puzzle est découpé à la main, puis poncé avant d'être fixé sur son support avec de la laque noire. Pour souligner certains détails qui feront vivre les dessins, on grave la nacre en profondeur. Le relief ainsi obtenu prendra toute sa dimension une fois l'œuvre achevée. L'épaisseur sera rattrapée par plusieurs couches de laque transparente à chaque fois poncée. La nacre réfléchit la lumière. Elle disperse la clarté du soleil en rayons colorés suivant l'angle de vision. Les teintes varient sans cesse de l'aurore au crépuscule. Autre technique, les coquilles d'œufs. Plus dures que les coquilles d'œufs de poule, celles de canne sont choisies pour leur teinte claire. En les passant au feu, on obtient des nuances différentes. La création de mosaïques sur des meubles ou tableaux requiert une grande habileté, la précision du geste et une bonne dose de patience. Les fonds, d'aspect émaillé, sont obtenus grâce à des coquilles moulues, tamisées et saupoudrées sur la laque fraîche. Tous les objets ornés de lacre, peints ou en coquilles d'œufs, sont ensuite recouverts d'une couche de laque transparente. Le nombre des ponçages égalant le nombre des couches appliquées, on compte parfois jusqu'à une quinzaine d'opérations par objet. Les couches de peinture, polies au fur et à mesure, rehaussent la beauté du tableau, en faisant remonter avec acuité chaque motif du dessin.
Certaines teintes n'apparaissent qu'après 2 ou 3 couches. La luminosité des couches inférieures se reflétant sur les couches supérieures. Le dernier polissage est effectué avec la paume de la main. Plus on passe de couches, plus on assure la beauté de la couche lumineuse. La couleur de la laque est profonde, lumineuse comme du métal. Elle est aussi brillante qu'un miroir. Plus étonnant encore, la combinaison peinture et coquille d'œuf permet de réaliser des œuvres uniques dans leur genre, mais également des portraits à partir d'une simple photo. Une autre technique consiste à préparer les fonds avec des feuilles d'argent recouvertes de dorure pour animer les reflets lunaires qui scintillent sur les feuillages, dit-on au Vietnam. Le choix du pinceau en crin de bœuf ou poil de lapin dépend de l'exigence de l'œuvre. L'ajout de safran, rouge de cannelle, blanc d'œuf, coquille de mollusque ou de canard, cela ne suffit pas. La gloire revient à ces artistes qui, de génération en génération, ont conservé et développé l'art de la laque. Ils continuent encore à l'enrichir sans cesse par l'apport de leur expérience, leur sensibilité, la précision de leurs gestes et leur patience d'exécution. Pour que la laque vietnamienne brille toujours comme une pierre précieuse.